to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler d'un très sérieux candidat à l'album de l'année. Ils ne sont pas si nombreux en fait. Ails est un groupe chilien d'art rock progressif qui m'avait ébloui, n'ayons pas peur des mots, en 2016 avec leur concept album Hawaii. Si j'avais bien aimé 4:45 AM en 2013, Hawaii constitue un vrai virage dans leur carrière en proposant un univers sonore original sans parler de l'histoire. Et puis, les Chiliens ont changé de chanteur. Et pour tout vous dire, les premières reprises de Israël Gil ne m'ont pas convaincu outre mesure. Mais l'expérience de Marillion l'a amplement prouvé, il n'est pas aisé de changer de lead singer dans un groupe. Le premier single, Thanks to Kafka, m'avait peu emballé à sa sortie en 2021. Le phrasé d'Israël m'avait quelque peu dérangé, comme son look adolescent prépubère face aux cinq autres vieux barbus quadras du groupe. Cela ne m'a pas empêché d'écouter les titres suivants au gré de leur publication sur Bandcamp, comme le génial instrumental Game Over, qui conclut l'album en beauté. Lorsque la précommande fut disponible, je me suis encore lâché, et cette fois, je ne le regrette aucunement. Beyond Drama raconte en 9 morceaux la pandémie de Covid-19 et la crise politique qu'a traversé le Chili ces dernières années. Ails joue d'un rock progressif latino à la rythmique turbulente, au clavier aux sonorités 80s et aux guitares omniprésentes, sans donner pour autant dans le Gilmourish. Bref, c'est un groupe à part dans le paysage progressif. Pour parler chiffres, l'album dure pas loin d'une heure avec des morceaux allant de 2 à 11 minutes. Pas d'édition vinyle pour l'instant, et c'est bien dommage car la pochette, cet écorché vif aux couleurs très glauques, est plutôt réussie. Je me suis donc contenté du digipack et du t-shirt qui ont traversé l'océan Atlantique à la nage, passant entre les mailles des douaniers. Dans Beyond Drama, je retrouve beaucoup l'univers musical coloré de Hawaii, ce qui n'est pas pour me déplaire. Il y a toutefois moins de bruitage et un seul monologue dans ce dernier album. La pièce de choix n'est pas forcément la plus longue de l'album. C'est en effet Megalomania, un titre de seulement 6 minutes 25, qui a ma préférence ici avec l'instrumental Game Over. Et si j'ai eu du mal au début avec Thanks to Kafka, je trouve aujourd'hui qu'il s'intègre bien à l'album. Megalomania, au tempo relativement apaisé, brille par ses notes quasi aléatoires façon Game Boy Advance sur lesquelles se pose la voix plaintive d'Israël. Un texte qui, il me semble, parle des personnes transgenres. Oui, alors certains grincheux pourraient reprocher la proximité de Beyond Drama avec Hawaii. D'ailleurs, peut-être avait-il quelques enregistrements à recycler malgré le précédent double album. Pour ma part, je trouve que Ails a assis son style et que ce nouvel album est un des meilleurs de leur discographie. Vous pouvez l'écouter sur Bandcamp ou l'acheter en digipack au même endroit. Ne passez pas à côté, il rentre de ce pas dans mon top 2023, au sommet de la pile. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain avec un nouvel album. Bisous !